du monde. Ouais, l'année dernière, j'aurais dit là-bas, tu vois, il y avait 3 personnes du courant. Là, c'est pas moi. Non, mais là-bas. Là-bas, c'est là. C'est pas qu'il y a du monde. Ouais, l'année dernière, j'aurais dit là-bas, tu vois, il y avait 3 personnes du courant. Compagnie de Luciano Basile, entraîneur de cette équipe des Rapaces de Gap, qui a remporté un succès important. Ben déjà, il n'y a pas beaucoup de différence parce que, voilà, match fou, puis finalement très équilibré au niveau des tirs. Match en main, 4-0, et même sur le 4-0, c'est nous qui nous sommes créés 3-4 occasions franches. Ça aurait pu être 6-7-0, il n'y avait rien à dire, mais on voit la qualité de cette équipe-là. Le danger, tu ne maîtrises jamais une équipe comme ça. C'est pas pour rien que c'est le meilleur power play, je pense, en France. La deuxième meilleure attaque derrière Rouen. Ben, on menait 4-3 après le deuxième et j'ai dit aux joueurs qu'on n'allait pas jeter les 30 premières minutes. Parce qu'on avait été moins bon sur les 10 dernières minutes du deuxième tiers, qu'il fallait jouer plus simple. Sur le deuxième tiers, on a pêché déjà en prenant 2 pénalités qui étaient évitables, où on prend 2 buts en infériorité, et on prend aussi 2 buts à 5 contre 5, où les deux fois, on avait la possibilité de sortir le palais de notre zone, et on a essayé de faire, de contrôler le palais, de faire un jeu au lieu de simplement la sortir. À 5-4, est-ce que vous redoutez encore un peu l'égalisation? Comment ça se passe dans votre tête? Parce que vous ne pouvez pas appeler le temps mort, comment ça se passe?
Quand tu mènes 4-0 et tu te fais rattraper 4-4, c'est sûr qu'avec un but d'avance, t'es pas serein, quoi. Et voilà, on a vu les deux dernières minutes du match où on a beaucoup souffert. Voilà, et 2 points, c'est 2 points. C'est une victoire importante pour nous. Ça nous fait pas trop monter dans le classement, mais on distance quand même certaines équipes comme Brest, Morzine, Briançon, Caen. Ça, on laisse un peu de monde un petit peu plus derrière. Et voilà, mais bon, l'important, c'est de grappiller les points quand on peut les faire. Pour terminer sur le gardien Charles Lavigne, qui a fait preuve de beaucoup de caractère devant son filet. Ben Charles, après le deuxième tiers, il a haussé le ton dans le vestiaire. C'est un vrai compétiteur. C'est un garçon qui prend à cœur les matchs, qui a envie de gagner et qui est très émotionnel. Voilà, il a répondu présent. Je l'ai trouvé excellent dans les derniers 3-4 minutes du match où on souffrait.